Salut, je fais cette deuxième vidéo, donc c'était pour m'attarder sur les deux DVD, donc les deux derniers que j'ai présentés dans ma vidéo d'achat du jour, parce que j'ai pas, comme j'avais pas beaucoup de, il me restait pas beaucoup de temps donc pour faire la vidéo, voilà, donc je fais cette deuxième vidéo donc pour m'attarder sur les deux derniers. On va commencer donc par Expendables. Avec un grand gros hein, c'est un crossover avec tous les anciens donc stars de films d'action comme Stallone, John Statham, Steve Austin aussi, Mickey Rourke, Bruce Willis, voilà, et Jet Li, Underground, Couture aussi, Crew, voilà, très 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 bon film, voilà. Donc c'est des Donc, ils n'ont jamais connu d'autres modes de vie que la guerre. Ils n'ont de loyauté qu'envers les membres de leur propre équipe. Ce sont les Expendables, unités spéciales réunissant Barney Ross, donc Steve Stallone, le chef et cerveau de l'équipe, Lee Christmas, donc Jason Statham, un ancien SAS expert en armes blanches, Min Yang, donc joué par Jet Li, expert en corps à corps, Al César, donc Terry Crews, spécialiste en armes lourdes, Toll Road, Randy Couture, expert en destruction, et Gunnar Jensen, Dolph Lundgren, tireur d'élite. Donc, voilà, donc réalisé par Sylvester Stallone, voilà, donc avec tous les gros. Donc il y a eu le deuxième aussi qui était donc pas mal, et le troisième qui est sorti au cinéma, que j'ai été voir, qui est aussi magnifique, avec dedans donc ceux qui avec Wesley Snipes et Schwarzenegger aussi, et Mickey, non, Mel Gibson, donc il joue le méchant. Donc très 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 bon film aussi, les Expendables, voilà, donc acheté neuf encore, sous blister 9,90 en Blu-ray, voilà, il l'avait pas en DVD, mon revendeur, alors il me l'a fait moins cher, au lieu d'être à 9, il me l'a fait à 8 euros, voilà, donc Expendables, voilà, très très bien. Et ensuite, donc voilà, mon coup de cœur à moi, Massacre à la tronçonneuse, donc voilà, vous voyez, dans un truc de protection, il me l'a mis, donc voilà, je vais faire prendre doucement, hop. Voilà, donc le premier dans une édition vraiment magnifique, voilà, avec vous voyez, la tronçonneuse là, avec le sang dessus, voilà, avec merde, j'ai oublié, je sais plus c'est quoi son nom, je sais plus son nom, voilà, donc l'édition, donc le DVD 1, édition donc définitive, acte 1 et acte 2, voilà, donc ils font les deux DVD avec le visage donc d'une voilà, et derrière donc ce que je vous avais lu tout à l'heure, notre plus grande frayeur, voilà, donc je vais lire tout. L'Isorfé vient d'avoir 30 ans pour fêter l'événement, il se rappelle à notre pire souvenir, point. Revient hanter nos nuits blanches, armé d'une tronçonneuse dont l'écho résonne et résonne et résonnera encore pour des siècles et des siècles à venir. Donc dans le disque 1, donc en bonus, on a les commentaires du réalisateur, donc Toby Hooper, du chef d'opérateur, donc Daniel Pearl et Gerner Henson, alias Leatherface, thriller des quatre premiers Massacre à la tronçonneuse. Dans le disque 2, donc documentaire inédit en France, A Family Portrait Revisited en 1988, donc 70 minutes. L'or dans la peau, l'histoire du mythe massacre, mai 2004, 52 minutes. Interview scrute de Toby Hooper, scène tranchée, bêtisier, court-métrage double zéro, images inédites et affiches et visuels d'archives. Voilà, donc très très bon film. Interdit au moins de 16 ans, durée 84 minutes. Voilà, donc réalisé par Toby Hooper. Voilà, donc très 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 beau, très belle édition. Donc j'ai acheté 5 euros. Quand j'ai vu ça et c'était dans ma ville, franchement, je l'ai contacté hier et je l'ai vu aujourd'hui. Voilà, donc franchement, voilà, on voit la tête de Leatherface. Donc vraiment très 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 content de l'avoir eu aussi pas cher et vraiment aussi beau. Parce que je sais que certains qui font leurs vidéos ont le premier qui est l'édition Frisson. Je l'avais vu aussi à 6, je crois que je l'avais vu à 8 euros, je crois, à Easy Cash. Et j'avais pas envie de payer 8 euros donc pour cette édition. L'édition donc qui était à Easy Cash. Et je dis, bah, je trouverais bien sur le Bon Coin ou chez mon vendeur. Mais chez mon vendeur, il n'y a pas beaucoup de Massacre à la tronçonneuse. Il n'en reçoit pas beaucoup, que ce soit les premiers, le deuxième ou même les quatre premiers. Donc il faudra que je les achète en magasin. Mais franchement, je suis content de l'avoir eu dans un beau. Là, je vais le laisser dans le truc de protection, vraiment pour pas l'abîmer. Voilà. Donc je suis vraiment très 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 content.
Voilà, donc je fais une... bah pour ma là je fais une dédicace à tous ceux qui font des films d'horreur, ciné chez soi déjà, donc pour que voilà, donc ciné chez soi, bon, tous les youtubeurs qui font des trucs d'horreur, Jason Voorhees aussi, et donc pas moi, l'autre, voilà, donc voilà, je fais dédicace à vous et à tous ceux, ceux que j'ai oubliés, voilà, donc très très, je suis très content, voilà. Donc voilà, donc c'était cette petite vidéo, sera, je la mettrai après, mais le truc des achats, c'était juste pour m'attarder un peu sur les deux derniers, parce que j'avais pas eu le temps, comme sur mon téléphone, donc j'ai plus beaucoup de batterie, donc ça, j'ai que 10 minutes. Voilà, donc bah, je voulais déjà bah, vous remercier, voilà, j'espère que mes deux vidéos, celle-là et l'autre, vont vous plaire, et je vous dis une très bonne semaine. Je pense que voilà, je ferai la semaine prochaine une vidéo, donc soit une vidéo d'achat, soit peut-être je vais, tous les films que j'ai vus quand j'étais au Portugal, je vais vous dire ce que j'en pense, voilà. Donc voilà, donc je vous dis donc bonne vidéo, donc bon visionnage, et je pour ceux qui donc qui veulent jouer avec moi à GTA, donc ça sera dans la description de mes deux vidéos. Tiens, je vous mettrai sur mes deux vidéos. Voilà, donc bon visionnage et à la prochaine. Salut!